Hillary Clinton est malade et ne serait pas apte physiquement à diriger le pays. C'est en tout cas ce que Donald Trump et ses partisans veulent faire croire aux électeurs pour faire pencher la balance de leur côté. Le candidat républicain aux élections présidentielles américaines multiplie les attaques contre sa rivale. Il a encore tweeté il y a quelques jours « Où est Hillary? Elle dort ?» Sur YouTube ou les réseaux sociaux, les théories du complot se multiplient pour prouver qu'Hillary Clinton serait atteinte de la maladie de Parkinson, d'épilepsie ou même de troubles neurologiques. Ses détracteurs rappellent que la candidate démocrate avait eu de gros problèmes de santé en 2012 avec un virus gastrique et une commotion cérébrale. Mais en 2015, son médecin avait déclaré qu'Hillary Clinton était en excellente condition physique. Sur le plateau du Jimmy Kimmel Live, elle a voulu faire taire les rumeurs. « Prenez mon pouls pendant que je parle, je ne sais pas pourquoi ils disent ça, c'est de la folie, ça n'a pas de sens. » L'animateur a ensuite proposé à la candidate d'ouvrir un bocal de cornichons pour montrer qu'elle est en forme, et elle a réussi le test.